Eh bien, salut à tous et à tous les amis, c'est Super Ryu. J'espère d'aller très très bien, moi ça va très très bien. Donc, aujourd'hui on prend une nouvelle vidéo, donc ça va être mes voitures Green Knight. Nous allons commencer avec ce magnifique Dodge B100. Donc c'est une marque américaine. Ça va, ces voitures-là coûtent pas très cher, ça coûte à peu près entre 9 et 10 euros la voiture, donc ça va, parce qu'elles sont super bien détaillées, je trouve. Il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Après, nous avons une Mustang, une Ford Mustang, avec le capot qui s'ouvre. Hop. Donc, des années 70. Elle est très belle en cabriolet comme ça. Franchement, du bon boulot. Donc là, nous avons une Chevrolet Bel Air, voiture des années 50. Un noir mat avec les flammes, ça y va super bien. Un looch d'enfer, celle-là. Après, nous avons une Dodge. C'est quoi celle-là? Challenger. Des années 70 aussi. Dodge Challenger des années 70 avec le capot qui s'ouvre. Donc ça, c'est la voiture de NCIS. Donc c'est la série de 2017. Elle était dedans. Après, je connais pas très bien parce que je regarde pas, mais ceux qui regardent, voilà. Là, nous avons le Dodge Ram, aussi de MCS avec la remorque. Elle est super belle. Même épisode, donc 2017. Donc, du coup, voilà. Voilà comment il est, plutôt pas mal. Voilà la remorque. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bien fait. Là, nous avons un Ford F100. Donc des années 50. Il est beau aussi, hein, suivant. Il est plutôt pas mal. Celui-là, il est dans GTA aussi. Bah, la Bel Air aussi, elle y est. Pour ceux qui y jouent. Celle-là, elle est en version dépanneuse. C'est ce véhicule-là. Là, nous avons une Dodge Monaco de police. Elle est très belle, des années 70. 60 même. Très belle voiture, franchement, elle est super belle. Dans certains films américains, on la voit aussi celle-là. Nous avons une AC Cobra. Elle est belle aussi, hein. C'est une voiture des années 50, 60. Début 60. Elle est très belle, hein. Elle est très bien faite. Du coup, voilà. Là, nous avons une Dodge Charger. Avec le capot qui s'ouvre aussi. Elle est super belle. C'est la même voiture qu'il y a dans Fast and Furious, sauf que je préfère celle-là parce qu'elle est moins modifiée, elle est plus belle, je trouve. Du coup, voilà. Après, là, nous avons une. C'est quoi ça? Une Chevrolet. Faut que je regarde. Une Chevrolet. Cheville. Chevelle. Cheville, je sais pas comment on dit. Chevelle.
Chevelle, voilà. Donc magnifique. Voiture des années fin 60, début 70. Elle est très belle. Elles sont super bien faites. Là, il nous en reste deux. Il nous en reste une Chevrolet SS Camaro. Camaro Chevrolet SS de 1969. Ça, il y a une année de marqué dessus. Donc, elle est très belle en couleur champagne aussi. Cabriolet comme ça. Super belle. Je crois que dans le jeu Driver, elle y est aussi dans GTA, mais elle est en version coupée. Elle est très belle. Et je vous fais montrer ma dernière voiture. Donc, c'est une Dodge Charger de la police de New York. Donc, elle est de 2017, non, 2007, pardon. Celle-là, elle est très belle. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, à tomber sur le café. Ciao, ciao, c'était Super Ryu.